Demain à 21h à la salle des fêtes de Vinsac, le théâtre Nord-Médoc présente la pièce Feu la mère de Madame, une pièce de Feydeau remise au goût du jour par Anthony de Azevedo. Je suis co-directeur responsable du théâtre Nord-Médoc, compagnie professionnelle de spectacles vivants installée à Soulac-sur-Mer en Gironde, au fin fond de la Gironde depuis le mois de mai 2010, et nous produisons et diffusons une adaptation de Feu la mère de Madame de Feydeau. Voilà, donc quatre personnages, comédie, j'ai envie de dire farce bourgeoise. Feu la mère Madame de Feydeau, pièce majeure, une heure et quart, de Feydeau, réadaptée par mes soins. Un mot de l'histoire de la pièce. On est chez Solange et Benoît, couple un petit peu bobo, on va dire, d'aujourd'hui. En pleine nuit, Benoît rentre après une soirée costumée. Solange en a ras-le-bol de ses sorties nocturnes. C'est un couple tout à fait marginal. Ils font déjà chambre à part, et oui, très très jeune, dans les couples bourgeois, on fait déjà chambre à part. Et soudainement, en pleine nuit, coup de sonnette, le nouvel employé de la mère de Madame, en l'occurrence, vient annoncer son décès. Donc patatras, quiproquo, et on va s'apercevoir une heure après qu'effectivement ce personnage farfelu d'Alfred, déphasé, j'ai envie de dire, s'est trompé d'étage. Donc il a semé la zizanie au sein d'un couple bobo qui, ma foi, était déjà lui-même transversal. Anthony de Azevedo, qui est donc le metteur en scène de cette pièce Feu la mère de Madame, demain, 21h, salle des fêtes de Vinsac. Et vous pouvez réserver dès maintenant. Les coordonnées sont au standard de France Bleu Gironde, 05 56 19 10 10.